Et bonjour à toutes et à tous, c'est Lévil, j'espère que vous allez bien. Après ce long moment d'absence, me voici de retour. Et oui, déjà, je tenais à m'excuser pour ce long moment d'absence où j'ai fait plusieurs choses. Honnêtement, j'avais vraiment pas le temps. J'avais vraiment pas le temps de venir faire des vidéos. Là, j'ai trouvé un petit créneau. Donc, je vais vous proposer une petite vidéo pour cette semaine qui va être relativement tranquille. Une vidéo où je vais pas faire de trucs ouf. Mais vraiment juste parler de mon absence, parler de mon retour, parler de l'avenir aussi de la chaîne. Tout en vous proposant un petit gameplay sympa, un petit gameplay tranquille. On va parler dehors, il pleut beaucoup. Ça me perturbe. Faut que je me remette dans le bain aussi. PZ, ça fait depuis la dernière vidéo, je n'y ai pas retouché. Juste un petit peu pour faire du off. Mais ça date de... 2 ou 3 jours après la dernière vidéo. Donc voilà, ça fait un bon petit bout de temps. Je ne veux pas risquer la vie de mode comme ça sur un coup de tête. Je vais déjà reprendre mes petites habitudes. Donc, mon absence où j'ai eu plusieurs choses qui se sont déroulées dans ma vie personnelle. Plusieurs choses pas graves, bien entendu. Mais actuellement, je vais encore avoir des petites absences, tout simplement parce que je suis en train de bosser le permis moto. Oui, j'ai le permis B, mais je n'ai pas le permis moto. Donc voilà, j'ai passé le code, je l'ai réussi du premier coup. Je l'ai bossé à fond du matin au soir, en plus du boulot, en plus de la vie de famille. Donc j'ai des enfants, une femme. Donc c'est pas vraiment évident, je ne pouvais pas trouver le moment de vous faire des vidéos, tout simplement. J'espère que vous allez comprendre, parce que c'est pas forcément évident, quoi. Franchement, en finissant le boulot à 19h, rentrer chez moi à 18h... en finissant, pardon, le boulot à 18h, rentrer chez moi à 19h, au plus tôt, c'est très très compliqué. Je suis actuellement en train de bosser le plateau. Donc voilà, je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas, si vous vous en foutez, je peux le comprendre. Je vous en voudrais pas, bien sûr. Mais je voulais vous le dire tout simplement. Voilà, voilà. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à vider le petit MV parce que de mémoire, il y avait plein de trucs dans le coffre. Et puis, on continuera, on n'oublie pas. Le défi, c'était contendante courte de mémoire. Donc là, on va éviter de tuer quelques Z. Ou alors, normalement, de toute façon, ça va être au marteau. Voilà, j'ai ce qu'il faut sur moi. Marteau, matraque. Donc, je vais pas faire de boulettes. Je vais garder ça. Et on avait les fameux 500 zombies à tuer. Je revérifierai. Au pire, je vais faire une petite coupure. Je vérifie. Et puis, je reviens tout de suite. Comme ça, on fait pas de boulettes. A few moments later. Donc voilà. Après vérification, c'est bien 28 900 zombies aux contendantes courtes. Donc, on est très très proche. On va continuer à vider ce petit Humvee. On n'avait pas beaucoup de choses dedans à vider de mémoire. Ah si, le coffre est archi plein. Archi plein. J'avais tellement de choses dedans. J'avais trop de trucs. Je vais pas vous faire une vidéo où on vide, on range ou quoi que ce soit. Parce que vu que ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas fait de vidéo, on va plutôt aller se balader, nettoyer les alentours. Et si vraiment on voit que ça craint un petit peu, on fera demi-tour. Bien entendu. Donc voilà. Comme je disais, je vais reprendre les vidéos. J'avais juste fait une petite pause par manque de temps. On va remonter. On va remonter et puis voir comment ça se passe dans le quartier. Donc, j'avais proposé aussi qu'on me donne un autre petit défi pour la suite sans réponse directe. Je n'ai pas eu de réponse directe, justement. Donc, on va voir déjà comment ça se déroule cette reprise. Voilà, voilà. D'ailleurs, parmi vous, parmi mes petits abonnés chéris, avez-vous le permis moto? C'est une question que je me suis posée quand je me suis inscrit, parce que je voulais absolument vous en parler aussi. Et puis, n'ayant pas fait de vidéo, j'ai pas eu l'occasion de vous demander directement. Donc, n'hésitez pas à me le dire si vous avez le permis moto et avec quelle bécane vous roulez. Je serais... J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir, comme ça va me donner aussi des petites idées, parce que je sais pas vraiment sur quoi rouler pour, en ayant le permis.
Je compte l'avoir. J'ai pas inscrit pour ne pas l'avoir. Pour l'instant, tout se déroule très très bien. Donc voilà, je pense pas que ça va prendre trop de temps non plus. C'est sûr qu'avec le boulot, j'aurai des heures de conduite que le week-end, donc que le samedi. Donc encore moins de temps pour les vidéos. Pas beaucoup de temps pour faire la conduite. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps qu'une personne qui ne travaille pas ou qui ne travaille pas le vendredi. Mais ça va pas être trop trop long. Je ne pense pas. J'espère. Et elle se débrouille très très bien, la petite mode là. Ça va, ça revient très très vite en fait. Et ça serait bien qu'on termine ce petit défi là. Allez, plus que 45. 45, c'est faisable. Même en jouant tranquillement, je pense que ça peut le faire. Par contre, ça serait bien que... Ouh, ça serait bien qu'il arrête de pleuvoir aussi. Il est 18h. Je n'ai pas choisi la bonne heure. J'ai été un petit peu à l'arrache. En balade. Je suis parti un petit peu à l'arrache. Et en plus... Et en plus, je fais n'importe quoi. Il y en a partout. Mais ça va bien se passer. J'espère juste que les niveaux réglages que de ma voix, du jeu et tout ça ne partent pas en cacahuète. Secondaire. Récupère de la lumière. Et à peine arrivé, on refoule le bordel dans la rue. Ça y est, je vois, je leur ai manqué à eux aussi. Allez, vite. Ça tombe très très bien. Bon, de base, je voulais vous faire une petite vidéo avec un nouveau perso, une nouvelle partie, histoire d'être sûr de ne pas faire mourir Maud bêtement, vu que ça faisait longtemps. Mais en lançant la partie comme ça, je me suis dit, bon, allez, on va y aller tranquille, on va récupérer la petite Maud, et puis tout va bien se passer, on va y aller tout doucement, sans faire de folie. Et puis, bah, ça passe très très bien, quoi. Ça passe très très bien. Il y en a encore un là-haut. On va s'en occuper. On va aller dormir. Et on va croiser les doigts pour qu'il arrête de pleuvoir. On est à combien? Allez, plus que 30. J'en ai tué que 15 là. J'ai l'impression d'en avoir tué au moins une trentaine déjà. Allez. En rallumant mon PC tout à l'heure, je me suis dit, bon allez... On va regarder, peut-être que la B42 est sortie, mais pas du tout. Pas du tout. Ça aurait été un bonheur de vous proposer une vidéo avec la B42. Mais on va tâcher d'être patient encore un petit peu. C'est pas pour maintenant. Ils nous promettent d'énormes choses, mais c'est pas pour maintenant. Il nous faut languir. Allez vite. Dodo. Là, tu vas l'éteindre. Je vais la pile éteindre. Je cherche toutes mes touches par contre. Horrible. Ça revient vite, mais les raccourcis se perdent. Allez, tu vas boire un petit coup. Oh, il y avait un problème pour trouver ce truc là aussi. Boire, boire, boire. Boire, tu veux pas boire? Ah si, boire. Et remplir. Remplir. Remplir le vapeau. Tu es fatigué, tu es toute mouillée, ça, il est fermé pour l'instant, on va le ranger. Tu n'as pas envie de fumer, tu avais de quoi manger sur toi, tu as du café, le pistolet, ok, le petit sucre, niveau poids, tu en étais où? Non, c'était pas là, c'était dans l'info, 77, tu perds du poids, on va manger un petit coup. Manger un petit peu de sucre. Et se diriger... Au dodo. Et...
Dormir. Elle va se lever de bonne heure. J'espère que vous m'en voulez pas pour mon absence. Honnêtement. C'est pour ça que ça me faisait un petit peu réfléchir. Je me disais, ouais, mais attends. Tu vas revenir, tu vas leur proposer des vidéos, tu vas revenir tout frais comme un gardon. Et eux, ils t'ont attendu, ils se sont fait descendre. Sans savoir ce qui s'est passé, sans nouvelles, sans rien. Donc j'étais un peu sceptique pour mon retour. Du moins, je voulais déjà, de base, vous faire un petit message sur la chaîne. Mais je me suis dit, non, vaut mieux venir directement. Pouvoir parler. Et tout vous expliquer comme ça de vive voix. Alors, le chou, il est monté en fleurs. Il est monté en fleurs. Mais est-ce qu'il est malade? Maladie, non. Donc ça, tu vas récolter. Faire récolter. Et c'est pas monté en fleurs, mais c'est pas malade non plus. On peut récolter. À récolter, non malade, vas-y, récolte. On va prendre le déplantoir et puis on va les replanter tout de suite. J'ai pris du chou. Hop, du chou, le déplantoir, j'en ai pas ici, évidemment. Je sais plus où j'en ai mis. Je ne sais plus où j'en ai. Est-ce que j'en ai un sur moi? Je ne pense pas. Non, dans le véhicule sûrement. Déplanteur, 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 déplanteur. Il n'y en a pas là. Oh, j'avais énormément de stuff là aussi. Là j'ai regardé, là j'ai regardé. On va regarder dans le coffre. Ok. Marteau. Mais qu'est-ce que j'en ai fait de mon déplantoir, moi donc? Je ne sais plus, mais peut-être qu'avec la bêche on peut, non? Oh là là, quand ça fait longtemps comme ça. Poser un sillon, ouais c'est bon, on peut avec la bêche. Parfait. Oh merci l'éclair, on a bien bien vu là. Allez, faudrait d'autres éclairs. C'est bien, s'il te plaît. Ah, ça va, je suis serein. Je sais que chez nous, on n'a pas de zombies. Même s'il y en a d'autres à côté. On sait qu'il y en a dans les maisons à côté. Hein, mais là, nous, ça va. Alors là, tu vas planter, semer du chou. Semer du chou, semer du chou. Et là aussi. Il pourrait lasser de graines. Bon, c'est honnêtement, c'est un pur hasard. Hein. On n'est pas fait exprès. De toute façon, on a eu les graines qu'on a récoltées aussi. Là, on en a 29, c'est pas mal. Les vers, je vais les mettre là aussi. En composteur. Et on les gardera pour quand on ira pêcher. Elle a envie de fumer, on va la faire fumer un petit peu. Donc sur l'avenir de la chaîne, va, bah on va continuer, parce que j'ai pas envie d'arrêter. Je vous aime bien, apparemment vous m'aimez bien, donc autant continuer. Et on verra par la suite, mais je ne compte pas du tout arrêter. Ce n'est pas, pour moi, c'est pas envisageable. À voir, comment ça se déroule, mais honnêtement, c'est pas, j'y ai pas pensé, pas du tout. Donc je voulais vraiment vous réconforter là-dessus. N'ayez pas peur. J'avais des bottes de pluie. Ok. N'ayez pas peur. Ici, il faudrait qu'on map tout ça. Mais je ne sais plus si on en avait. On en a peut-être dans le garage de l'autre côté. Sinon, ici, là, il n'y en a pas. Du map. C'est de l'enduit. Sac de gravier, sac de toile. Et là, je ne pense pas en avoir. On va aller voir de l'autre côté.
Il est 5h. Il fait pas beau du tout. On est peut-être là-dedans quand même, non? Pardon. J'en ai pas. Il n'y en a pas, là il n'y en a pas, là il n'y en a pas, ici. Des clous. Clous, une petite robe. Là on n'en a pas non plus. Bah il va falloir que j'aille en chercher, c'est incroyable ça, j'en ai même pas un. Ça se trouve c'est même pour ça que j'étais parti. Ça c'est tout ce qui est armes. Des cordes. Des haches, des vis, non. Rien ici, donc j'en ai pas. Là tout ça j'ai fouillé. Le camion il est vide. Ah j'en ai pas, c'est pour ça que je l'avais pas fait. Et on vérifie, ah peut-être sur les sièges, mais je pense pas. Des livres, ok, battes, des sous-vêtements, couperet, marmite, en tout cas il y a énormément de nourriture. Mais pas ce qu'il nous faut. Bah c'est pas grave. 5h40, on va continuer à monter. Vérifier le quartier. Regarde-moi ça. En espérant qu'elle ne tombe pas malade comme moi. Oui, parce que pour une reprise, je suis malade. C'est cool, non? J'ai envie de dire, ça ne change pas. Ma dernière vidéo, j'étais malade. Et puis bah là, bah, je commence à être malade. Et pourtant, ça fait 2 mois pratiquement. Je ne me trompe pas. Alors... Où est-ce qu'on a du monde? N'en sort pas le briquet. Sors pas le briquet. Est-ce que tu as... Il n'a pas de pile. Ça serait bien d'en trouver, j'en ai pas pris. Allez, meurs. Ah, il y a un petit quelqu'un. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Personne n'a une pile là. Personne n'a de pile. Par contre le briquet il faudrait que je l'enlève parce que je vais avoir tendance à vouloir l'allumer et je vais me brûler. Oh ça y est, il y a du monde là. Ça revient. Mais allez-y doucement les gars s'il vous plaît. Je reviens gentiment moi aussi. Alors vous aussi, prenez votre temps. Non! Parfait, ça se déroule très bien. C'est cool. Il y a une montre qui sonne. On va pas y toucher, on s'en fiche pour l'instant. Même si elle sonne tous les jours, pour l'instant c'est pas ma priorité. J'aimerais bien trouver une pile. Pour que la pluie cesse. Et qu'il fasse un grand soleil. Comme chez nous. Ah non, chez nous il pleut aussi. C'est vraiment pas beau. Hein. Franchement pour la fin de mois d'avril. Il fait pas beau. On a eu une belle semaine et puis là, bah, ça y est, le mauvais temps arrive. Et c'est la mienne qui sonne en plus. Je crois pas, j'ai cherché partout, mais n'importe quoi. Je disais, le bruit me suit, il n'y a pas de zombies. Donc quoi? On perd beaucoup quand on ne joue pas. Allez. Ma petite mode. Toujours aussi balèze. Joue aussi costaud. Elle a même pas besoin de moi pour survivre elle. Je jure. Elle a même pas besoin de moi. On est à combien là? Parce qu'on a bien avancé là depuis tout à l'heure aussi.
Allez, plus que 4. 4 et puis le défi a réussi. C'était 28 900. 28 900, il nous en manque plus que 4. 14, pardon. N'importe quoi, 14. Pas 4. 14. On va dire que c'est la fatigue. Hein. Et je sais pas. Je ne sais pas quoi. Allez, s'il vous plaît, les zombies. Donnez-moi une pile. J'aimerais bien qu'il y ait un zombie qui vienne et qui me donne une pile. Ça serait sympa, non? Là, il n'y a personne. On avait déjà nettoyé tout ça. Le garage, on n'avait pas pu le fouiller. Mais je m'en souviens. Je m'en souvenais pas. Donc, j'ai pas pris de masse. On va regarder. Vite fait, la map. Hop là, la petite pause qui va bien. Voilà, c'est ça. Ici, il fallait fouiller. On va aller fouiller cette maison-là. Puis après, bah, plus tard, on fera tout ce quartier-là. Parce qu'il faut qu'on trouve de l'enduit. Dans les garages, souvent, il y en a. Très bien. Donc, petite voiture abandonnée. Il est 7h30. Qu'est-ce qu'on nous propose là-dedans? C'est fermé. On va tout ouvrir. Vérifier qu'il n'y ait pas de zombies. Et ben on a une pile. Ça c'est cool. Et toi mon loulou? Ouais, je vais éviter de les accumuler parce que là, je vais pas jouer au malin. Je ne vais pas jouer au malin. On va s'abriter un petit peu là parce que on commence à être bien trempé. Et on va se poser un petit peu. Juste pour se reposer. On va checker. Vite fait. Il y a l'air d'y avoir personne. Bon, ça va, c'est bien calme. C'est bien calme. Petit garage qui va bien. Bidon. Ouais, ça m'intéresse pas. Ici, il n'y a rien. Là-dedans, il y a une porte là. Oui, il y a des aides là-dedans, là. J'aime vraiment pas ça. Le fil, on n'en a pas, je ne crois pas. Donc on va le prendre. On va checker ici. Dans cette pièce-là. Ouais, ça ne m'étonne pas du tout. Il n'y a rien. On va aller voir à l'étage. Elle veut bien monter. Ok, là c'est ouvert. C'est ouvert partout. Pourquoi c'est ouvert partout? Je me souviens pas d'être venu. Ah bah si, on est venu là. C'est obligé. Il y a du sang. Il y a du sang, on va enlever la pile. On va récupérer l'ampoule. Bon, on a eu nos piles. On a eu nos piles. On va en mettre une directement. Mettre une pile. Voilà. Et puis ce qu'on va faire, on va faire ça. Utiliser en secondaire et enlever, déséquiper. J'avais peur avec le fichu briquet là. J'ai tendance à appuyer sur F. Et F c'est le raccourci pour allumer la lampe. Là en ayant le briquet, bah du coup je peux me brûler à chaque instant. Et c'est pas drôle du tout. Le papier on s'en fiche. Le papier on s'en fiche. Là il y a quoi? Petite ampoule. Casquette, gants, cuir. Nos gants, ils sont en quel état? N'importe quoi. Protection. Ouais, ça a pas l'air d'être trop mauvais. État, ils sont en bon état. On va les garder. Là, je sais pas trop ce que je pourrais trouver qui me serait utile. Rien. La
Rien, on va ressortir et puis on va terminer ce défi. Et avant, on va checker dans la cuisine s'il n'y a rien à manger. Ici, il n'y aura rien. Du sucre, on prend. Fromage pourri, ça ne m'intéresse pas. Boîte de conserve. On a une ouvre-boîte quelque part. Alors, est-ce que... Oui, c'est sur nous, c'est dans le sac à dos. Le maïs, on va l'ouvrir aussi. Et puis on va pouvoir manger tout ça. Hop, manger. Parce qu'elle a sacrément faim, la petite louloute. Bon, s'il pleut comme ça va. On va faire avec. Eux, ils sont deux. Ça serait bien que ça se déroule bien. Ok, ça va. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Donc cette maison est fouillée, cette maison est vide. Au final, comme j'ai dit, on y est déjà venu. Donc c'est un oubli, la petite croix. On va aller voir celle-là. En plus, il y a un petit garage. On peut peut-être trouver ce qu'on recherche. Ouais, là, ça sent le zombie, là. Voilà, il y en a plein là. Il y a une petite voiture. Petite voiture. La petite voiture. Allez, on vient prendre sa raclée. On vient prendre sa raclée. Hop là, le marteau il a cassé. On te donne ça, on te donne ça. Et on prépare un autre petit marteau. Marteau. Ceinture côté gauche. Là il y a un petit peu de zombies. Tu viens par là? Non, tu fais le tour. Ok. Bon, si c'est si simple que ça ne me dérange pas du coup. Là. Il y a quelqu'un là-dedans? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que le garage il est ouvert? Pas ouvert. La deuxième là-bas peut-être. Voilà. Et pas d'alarme, hein. C'est bon les alarmes j'ai donné. Hein. Les alarmes j'ai donné, on en a eu plein. Même longtemps après la coupure on en a encore. Alors là faut arrêter quoi. Faut arrêter, c'est pas cool. Là, il y a le petit soda que je boirais bien, tiens. Et on va prendre celle-ci. Ça, on va prendre. Et puis, on va acheter la bouteille. On n'en a pas besoin. Là, par contre, on risque peut-être d'avoir du monde. Oh, c'est sympa, l'espèce de bar. Oh, il y a du monde. C'est la fin de notre défi. Pour ces zombies là. Crois que ça vient de derrière. Oh là là, ben il y en a encore plein là. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ici? On va faire le tour, on va aller par là-bas, vers
le devant de la maison en espérant qu'il n'y ait personne. On en est à combien là? Allez, plus qu'un. Le dernier. Qui sera l'heureux élu? Qui? Ça sera qui? Ça sera lequel? Ça sera toi là-haut. Allez. Tu es la dernière. Et voilà. Parfait. Par contre, je l'aurais pas tué, j'aurais été dans le mal. Parce que je voulais absolument que ce soit elle. On est à 28 900 zombies, ça y est. Défi réussi. On peut prendre l'arme qu'on veut. Et ça, c'est cool. Parce que c'était un petit peu long quand même. En même temps, sans compter la coupure, bien évidemment. Sans compter mon absence. Ça restait un petit peu long parce que c'était pas le, la l'arme qu'on avait le plus montée. Donc c'est vrai que c'était pas évident au début, après ça allait. On en avait quoi, on en avait beaucoup, de, que ce soit des marteaux ou même des matraques. Et elle se défend très très bien avec. Donc ça, ça va. La musique épique. Pour la fin de ce défi et pas de cette survie. Tiens, prends-toi ça toi et on va terminer comme ça parce que le défi on l'a terminé donc on peut se permettre de lui écraser la tête comme ça. On va aller voir au dans le jardin. On peut trouver 2-3 petits trucs intéressants. Mais là, ce défi fini et validé. Oh, il y a du monde en dessous là. Donc n'hésitez pas si vous avez un petit défi à me proposer pour les prochaines vidéos. Je suis preneur. Un petit défi, comment dire, bon là ça sert à rien d'y aller. Un petit défi sympa. Pas un défi qui dure dans le temps, qui dure extrêmement longtemps. Parce qu'à la longue ça va pas être plaisant à regarder je pense pour vous. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être défi armes, ça peut être défi ne pas fumer, comme j'avais déjà vu, il y a quelqu'un qui me l'a proposé. Ça peut être un défi ne pas utiliser de véhicule, coupure de courant pendant tant de temps, ou quoi que ce soit, vous voyez. Ça peut être marrant. Un truc qui me mette dans le mal, un truc qui fasse risquer la vie de Maud. En ayant un autre objectif derrière, ça, ça pourrait être sympa. Allez, on va vider ce petit bois là. Parce qu'on sait qu'il y a du monde là. Et elle est essoufflée, la petite Ginette là. Allez, pas le temps d'aller te poser un petit peu. Il est où l'autre? Il est là-bas. Repose-toi. Après, on va checker vite fait là-dedans. Ou alors, ouais, ça peut être un défi, utiliser uniquement les armes à feu. Bah, je vous laisse me proposer un truc. Je vous laisse imaginer un truc. Ça pourrait être sympa. Libre à vous de trouver le défi. Je prendrai pareil le premier défi qui me sera proposé. À condition qu'il respecte le minimum. Et là on peut passer par où? À l'intérieur? Ouais c'est ça. Par contre faut pas que... Faut pas qu'il y ait beaucoup de zombies qui viennent d'un coup là parce que je suis mort. On va faire gaffe. Il y a du bourbon ici. Je prends briquet, je prends canette de soda, je prends allumette, on a largement ce qu'il faut, ça je prends parce que ça fait prendre du poids. Ici on avait checké, bon là c'est la salle de bain, il n'y a jamais rien dans la salle à manger, il n'y a jamais rien non plus. Et les chambres, on va quand même, non c'est pas ici,
Les chambres, on va quand même, je recommence, checker vite fait. Là, on a déjà lu, ce qu'on va faire, c'est que, hop, là, on peut le jeter par terre. Ça. Je sais plus si on a, donc les bouquins, je vais prendre la pêche 5, je prends mécanique 1, c'est déjà fait. Ce qui est bien, c'est que c'est hyper calme, quoi. On a fait le nettoyage et maintenant on est tranquille. Cuisine 2, c'est déjà fait. Ça, on va prendre. On doit pas en avoir beaucoup de livres comme ça, je ne pense pas. Ça, on a. Au pire, on va les prendre aussi. On va se faire la collection comme ça. On va tout avoir. Tout ce qu'on a, tout ce que je vois, je ramasse tout. Histoire de refaire le plein. Et puis bah de tout avoir quoi si possible. Ça je prends, ça je prends, ça on va récupérer la pile. Par contre, on va être chargé parce que je suis venu à pied. Parapluie, marteau, marteau, je prends. J'ai bien aimé me battre au marteau. Ça se trouve, on va peut-être même continuer qu'au marteau un petit moment. Pour le fun. Marteau ou matraque. Hein. Histoire de choper le point. Il y a du monde là. Personne prend sa douche. Ça c'est dommage. On va boire, on va remplir le vapeau. Là-dedans, ouais, souvent il y a des piles. Bon, je l'aurais prise, quoi. Je l'aurais prise. Somnifère, mot croisé, calepin. Là, il n'y a rien d'intéressant. Salle de bain. Salle de bain. Non, merci. Et la petite chambre ici. Sac de randonnée. On a un petit paquet de chips dedans. On va prendre. Le MSR. Les munitions, on va les prendre. Le MSR, on va le laisser. Je crois que j'en ai un déjà. J'ai déjà dû en garder un. Et on est déjà assez chargé comme ça. Ici, j'ai dit qu'on prenait tous les bouquins. Hop, même si on a lu. Histoire de tout avoir. Bouquin rouge, j'en ai jamais trop. Ça, on va prendre aussi. Même si on les a lus. Parce que la menuiserie, on est au maximum, je crois, de mémoire. La pêche, hop. Ici, la mécanique. Vous avez déjà lu ceci. On va le prendre aussi. Par contre, j'arrête là. Je suis très lourd. On rentre gentiment, on dépose tout ça. Et puis, voilà. Tiens, mange un petit truc. Mange un petit truc. Tu perds encore du poids, par contre, toi. T'es chiante, là. Il y a du monde, là, mais je ne peux pas me permettre de me battre. Il y en a encore aussi plein là-dedans. Le sac, il est blindé. Je suis blindé. Vite, 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 ça fait un tout petit peu de place. Si on peut se vider un petit peu dans le sac à dos, ça serait pas mal. Hop, la bouteille. Et là, on peut déjà plus mettre dedans. Allez, ça tu peux, ça tu ne peux pas. La petite pile, tu peux. Ça, tu peux le mettre sur le dos. Ça fait déjà moins lourd, mais on dépasse énormément. Donc, ça ne va pas être possible. Lui, il nous suit, là. On va tenter de le larguer. Faut juste que je marque qu'on a fouillé la maison. Hop, la petite pause qui va bien. Ça, on a fouillé. Ça, on a fouillé. Voilà. Allez, vas-y.
petit footing. On est loin quand même. Bon, je me suis dit, on va pas prendre la voiture. Comme ça, on va prendre notre temps, de discuter sur la route. Mais, c'est vrai que ça fait beaucoup de route. Non, c'est pas ça. Tu me fais juste ça. Et ça ne rentre pas. Tant pis. Elle va rentrer à bout de souffle. De toute façon, il est 15h. Tranquille. Tranquille, tranquille. Fatigué. Elle s'est levée à une bonne heure aussi. Hein. Je l'ai complètement décalé. À la faire se coucher à 20h, 20h30, 21h. Il va falloir qu'on lui fasse récupérer son cycle normal. Allez, on arrive à la maison. Il n'y a personne. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ouais, après, honnêtement, pour les défis, ça peut même être un défi... genre short, t-shirt obligé, sans protection ni rien, vous voyez, ça peut être, franchement, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi. Je prendrai le premier, sauf un qui ne soit pas dans le long terme, qui dure extrêmement longtemps, quoi. Ça, ok. On met tout ça là. Ça, c'est les magazines pour les états, donc ça, ça. Le journal. C'est les magazines spéciaux. Il y a les bouquins ici. Et on n'a pas pris. Ici, on a pris lui en double pour l'instant. Bon, c'est pas... c'est le moindre mal. Hop là, on peut faire ça. L'ampoule, on peut faire ça. Et on est bien niveau poids. On est bien. Même faire pour l'instant ça ici, ça ici, ça, j'aurais peut-être dû garder ça, j'ai fait n'importe quoi, les briquets, hop, le café, oh, ça sert à rien du tout, et je mets ça là-dedans moi, oh, de toute façon faut trier, faudra tout trier. Soda, je vais en garder que un. Pile. Elle, ça va être la pile de secours vu qu'elle est un peu usée. Le sucre, on va garder. On est presque plein. Il faudra vraiment que je refasse le tri correctement. Et le marteau, le mettre dans le sac à dos. Et puis là, on n'est pas trop mal. Voilà. Eh ben écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. La vidéo elle va être plus courte que d'habitude, mais c'est mon retour, ça y est, c'est officiel. Je vais me laver en même temps, tiens. Parce qu'elle est bien crade. Elle est bien crade. S'il te plaît. Laver. Laver soi-même. Et laver tout ce qui est équipé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à, continuer de me soutenir, à bombarder la barre des pouces bleus. Des petits pouces vers le haut, bien entendu. Et puis, je vous dis à la prochaine. C'était Devil. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.